Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui, les amis, on va s'intéresser à un sujet bien particulier et sur lequel je vois de plus en plus de spéculations, le KVK saison 3. Alors certains d'entre vous sont sur des serveurs très récents qui entament à peine leur premier KVK, mais les serveurs les plus anciens comme le mien, le 1164 ou ceux que j'ai fréquentés, que ce soit le 1194 ou le 1282, ça commence à faire beaucoup maintenant, se pose la question quand va avoir lieu la prochaine saison, la saison 3 du KVK. Alors, dans les hypothèses que je lis actuellement sur les différents forums, sur les flux de d'autres youtubeurs ou sur le Kingdom Channel de mon royaume et d'autres sur lesquels j'ai des acomptes, il y a vraiment beaucoup de spéculations et certains partent du postulat suivant. Et c'est celle de la rumeur que je vois le plus souvent. Le prochain KVK aura lieu au mois de janvier de l'année prochaine, donc janvier 2020, tout début janvier 2020, après les fêtes de fin d'année. Si vous vous souvenez bien et si vous vous remémorez le précédent KVK, la saison 2, d'ailleurs si vous avez raté ce qui s'est passé sur mon royaume, je vous invite à aller voir les chroniques du KVK, je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. On est bientôt 1000, on se rapproche tous les jours et je vous en remercie. Donc si vous allez voir ces vidéos-là, vous verrez la date de commencement par rapport à la date de fin de l'ancien KVK. Il y avait eu de l'ordre de 4 semaines environ entre les deux KVK, ce qui avait surpris du monde. Aujourd'hui, la rumeur la plus fréquente, c'est de dire ça sera en janvier, donc soit dans près de 3 mois, un petit peu moins de 3 mois, 2 mois et demi, car il y a déjà un gros event qui vient d'être lancé, à savoir, je vous le montre là, tac, tac, c'est pas eu pour le talent, mais c'est le parchemin, il n'est pas là, je vais n'importe où. Le parchemin, et donc, ça commencera lorsque le parchemin sera fini. Sachant que, j'ai pas été récupérer mes défis, non, je veux pas acheter le niveau. Sachant que le parchemin va se finir, donc, hop là, on récupère les prix. Le parchemin va se finir, comme on le voit, en semaine 8 qui aura lieu dans 45 jours, soit un mois et demi. Il y aura l'event de fin d'année comme l'année dernière. Puis, ils lanceront la nouvelle saison du KVK. Voilà la rumeur principale que je vois et les prédictions, je dirais, aux pronostics principaux que je vois sur le prochain KVK. Pour ma part, je ne partage pas du tout cette prédiction ni ce pronostic et je vais vous expliquer immédiatement pourquoi. Déjà, il faut prendre en considération que lors du précédent KVK, une fois qu'il s'est fini, on s'est dit exactement la même chose, car là, c'est ce qui soutient cette hypothèse, on ne peut pas avoir deux événements majeurs en même temps, à savoir le parchemin de Lucerne et de l'autre côté le KVK en même temps et les events du pré-KVK, etc. Lorsque le précédent KVK, donc la saison 1, s'est terminé, ils ont, une semaine après à peine, annoncé tout de suite la Ligue Osiris. Et là, on s'est dit, ah bah c'est sûr, on ne va pas avoir en même temps la Ligue Osiris et le KVK, saison 2, ils ont donc d'ailleurs lancé la Ligue Osiris pour occuper les joueurs et les faire attendre qu'ils aient quand même de la bataille, de se battre entre alliances de différents royaumes, mais on ne lance pas tout de suite le KVK. Et une semaine après l'annonce de cette Ligue Osiris, bim, le pré-KVK est tombé. Donc, le pré-KVK a été annoncé avec le petit starter, le petit event starter. Et 8 jours après, puisqu'il l'annonce 8 jours à l'avance, je crois, le KVK a commencé. Donc, on a eu en même temps, pendant tout le KVK saison 2, deux events majeurs, la Ligue Osiris et le KVK saison 2. Donc, il n'y a pas de raison que cette hypothèse, pour moi, soutienne le pronostic du mois de janvier. Ensuite, il faut aussi considérer qu'ils doivent occuper les joueurs et ce n'est pas avec l'event parchemin de Lucerne qui est, faut le dire, hein, il est tout pourri. C'est pas ça qui va occuper les joueurs et ils s'en rendent bien compte du mécontentement puisque tous les retours que j'envoie, que ce soit sur le FB officiel de Rock ou le Discord officiel de Rock, sont négatifs. Les joueurs sont insatisfaits par cet event. Ils le trouvent vide et là où il y a le plus de plaintes, c'est concernant les récompenses qu'ils trouvent carrément médiocres et nuls. Donc là-dessus, ils ne peuvent pas se contenter de ça et leur communauté, moi le premier, ne peut pas se contenter de ça pour pallier le temps et attendre jusqu'au prochain KVK. Il ne faut pas oublier que dans les jeux mobiles, la captivité des joueurs est très importante, surtout si on veut qu'ils payent régulièrement pour les pay to win. Il faut les garder captifs, il faut leur donner envie d'investir et pour ça, il faut de l'event et rien de mieux que le KVK pour donner envie aux joueurs d'acheter des packs et d'investir.
Donc voilà, de mon point de vue, pourquoi je soutiens cette hypothèse que le KVK saison 3 ne va pas débuter en janvier. Moi-même, je pense qu'il va débuter à la fin de la première quinzaine du mois de novembre. Donc soit dans un tout petit peu moins d'un mois. Si on regarde aussi en parallèle, on va le voir et c'est là que je voulais en venir, la Ligue Osiris. La Ligue Osiris se finit le 11 novembre, le 10 novembre pardon, se finit le 10 novembre. Donc ça serait un timing parfait pour, juste après la finale qui va avoir lieu un dimanche, le lundi, on annonce KVK saison 3, ce qui fait que le lundi d'après, 8 jours après, le pré-KVK commence, on serait dans un timing vraiment parfait. Donc je vois vraiment bien ce scénario-là. On va se retrouver, de mon point de vue, avec un KVK saison 3 qui va débuter donc fin de la deuxième semaine du mois de novembre, vers le 15 novembre. Pour moi, ce scénario-là est à privilégier par rapport au scénario du mois de janvier que je lis de plus en plus et que je ne comprends pas d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi on part sur ce scénario de janvier. De mon point de vue, ce n'est pas crédible d'attendre 2 mois et demi avant le prochain KVK, sachant que c'est un event qui plaît à tout le monde et qui roule, qui est stable. Il y a très peu de bugs, donc quand même, c'est vraiment bien. Puis il y a plein de récompenses. Tout le monde apprécie vraiment être en KVK. Quand il n'y a pas de KVK, il faut le dire, on s'ennuie. Le temps paraît long sur le jeu sans période de KVK. Donc voilà, n'hésitez pas vous si vous entendez parler d'autres hypothèses, d'autres scénarios, discutons-en en commentaire. Je suis curieux de savoir si vous avez entendu une autre hypothèse que celle ou d'autres pronostics soutenus du moins et argumentés que ceux qui prédisent le prochain KVK au mois de janvier. Pour moi, encore une fois, je me trompe peut-être, tout comme ceux qui prédisent le mois de janvier, mais pour moi, ça sera autour du 15 novembre. Évidemment, j'espère avant, si ça peut arriver avant, c'est tant mieux. Mais pour moi, le KVK saison 3, le prochain, sera à cette période-là, mi-novembre. On verra bien si j'ai raison ou si j'ai tort avec le temps, ou si c'est le scénario du mois de janvier ou un autre. Encore une fois, n'hésitez pas à partager en commentaire les scénarios que vous avez entendus ou que vous-même vous prédisez avec un argumentaire qui permet de soutenir la thèse que vous avancez. Moi, je suis curieux de voir s'il y en a d'autres et surtout s'il y a une autre alternative crédible, parce qu'encore une fois, celle du mois de janvier pour moi ne l'est pas. N'hésitez pas non plus à aller voir encore une fois les chroniques du précédent KVK si ça vous intéresse. Il y a quelques stratégies qui vous permettra de vous préparer si le prochain KVK sera votre premier. Ça vous permettra de vous préparer à la stratégie de guerre et les différentes stratégies surtout pour l'ouverture des portes ou la prise de bâtiment. Et si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu aussi, ça aide beaucoup le développement de la chaîne comme vous le savez. Je vous souhaite sur ce un excellent jeu à tous, un très bon futur KVK en espérant qu'il soit mi-novembre, et je vous dis à plus sur ROCK.